Bonjour Céline. Bonjour Yohann. Merci d'avoir accepté mon interview, je suis très très heureux de vous rencontrer. Vous faites partie de ce qu'on appelle les grandes voix du doublage. Votre voix est très reconnaissable, souvent attribuée à Julia Roberts, mais pas que. On va revenir ensemble sur une partie de votre carrière dans le doublage à travers 6 comédiennes et 2 personnages de dessin animé que j'ai sélectionnés. Avant, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a donné envie de devenir comédienne? Ah, c'est une question... Je pense que j'ai toujours eu envie d'être comédienne. Ça commence souvent à l'école, au lycée. Mmh. Et c'est vrai que c'est... j'ai jamais imaginé faire autre chose. D'accord. Donc voilà. Ok. C'était écrit. Ok. À quel moment, du coup, le doublage est arrivé dans votre carrière? Quand je suis arrivée à Paris, parce que je viens de province, du sud de la France, j'ai fait un conservatoire en province. Quand je suis arrivée à Paris, j'avais une de mes tantes, d'accord, une sœur de ma maman, ouais, qui avait une maison de distribution de films. D'accord. Et ils avaient un département de doublage. Et je me suis un peu essayée à l'exercice. Voilà. Et puis après, j'ai été un peu tapée aux portes, pas trop parce que c'était très compliqué, ça l'est toujours, ouais, pour moi. et puis je suis arrivée au bon moment, voilà. D'accord, ok. Bah, depuis, vous avez prêté votre voix à un grand nombre de comédiennes. À la télévision, vous étiez la voix de l'inspecteur Stella Bonacera, interprétée par Melina Kanakarides dans Les Experts Manhattan. De la silicone industrielle, on en trouve dans n'importe quel supermarché. Ces médecins qui disparaissent aussi vite qu'ils sont venus l'injectent directement dans le corps. Attends, tu plaisantes? Je m'en suis servi pour réparer une fuite dans ma baignoire. Des médecins sans scrupules empochent un maximum d'argent à ces pumping parties. Pumping parties. Ben. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers jours de doublage avec cette comédienne? Oui, et c'était pas sur cette série-là, c'était sur une série qui s'appelait Providence. Et en fait, je pense que j'ai été choisie parce que pour la directrice de plateau, et peut-être aussi pour la production, elle était assez proche de Julia Roberts. D'accord. Moi, j'ai jamais trouvé la ressemblance, okay, hein, ouais, mais bon, ouais, et peut-être... elles sont peut-être un petit peu de la même famille au niveau, ouais, de, voilà, ouais. Donc c'est comme ça que je suis arrivée sur la série. C'est un très très bon souvenir parce que l'équipe artistique, humaine, on a fait beaucoup de fêtes après, avant. D'accord. Et c'était très agréable. Et puis je l'ai retrouvée donc dans les Experts Manhattan. Ouais, dans les Experts Manhattan. Et puis il y a quelques années, dans, après les Experts, dans la série The Resident, dans, ouais, le rôle d'un médecin corrompu. Ouais. Je lui avais dit de ne pas aller regarder par le trou de la serrure, elle ne m'a pas écouté. Ah oui, ouais. Du coup, c'est agréable de retrouver ce genre de comédienne-là sur plusieurs séries et puis sur des personnages complètement différents. Oui, bien sûr, parce qu'on a l'impression de retrouver une amie, on sait un petit peu ce qu'elle va faire, même si elle peut nous étonner et elle nous étonne. Ouais. Mais non, c'est agréable de retrouver une comédienne avec laquelle on sent des affinités, quoi, de jeu. S'attaquer au cancer demande de se livrer à des expériences. Les oncologues mettent souvent en place des protocoles expérimentaux. Et quand les médicaments autorisés ne fonctionnent pas, on doit improviser. Pourquoi? Pour sauver des vies. Tu vas devoir trouver quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pouvez nous laisser une minute, s'il vous plaît? Dans la série Fear the Walking Dead, vous doublez l'actrice Jenna Elfman dans le rôle de June. Comment se passe le doublage de cette série pour vous? Et est-ce que vous connaissiez l'univers de Walking Dead avant d'arriver sur la série? Un tout petit peu. J'aime bien doubler cette comédienne parce que malgré le thème, ouais, l'histoire et les zombies autour d'elle, elle est toujours très calme, très posée. J'aime bien cette comédienne, voilà. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé aussi. Vous savez, le doublage, mais comme tout, hein, c'est aussi une affaire de relations humaines entre le directeur de plateau, l'ingénieur du son, même si on n'a pas toujours le même ingénieur du son. Ouais. Mais c'est aussi important. Donc c'est une équipe agréable et j'ai bien aimé doubler cette série. Tu m'as menti, Al. Fallait bien que je te motive. J'ai failli tuer un homme pour des médicaments qui n'ont jamais été là. Un homme qui avait volé mon fourgon. Tu comprends rien. Mais tu l'as pas tué au final. J'étais à deux doigts de le faire. J'étais tellement décidée à ne pas redevenir comme avant. Du coup, justement, ce personnage-là, il a une grosse évolution entre les premières saisons, les premiers épisodes où on ne sait pas trop qui elle est, etc., mm-hmm, un peu mystérieuse. Puis après, elle devient un pilier solide du groupe. Est-ce que cette évolution-là, vous l'avez vu venir? Vous l'avez vu quoi? Vu venir. Ah, non, pas vraiment. Non. Non, j'étais tout à fait meurtrie quand elle a perdu son amoureux. Mm-hmm. Pas vraiment, mais je trouve que ça évolue bien. Je te donnais une chance de lui rendre un dernier hommage. C'était pour chercher la personne qui a fait ça.
Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi est-ce que ta sœur a tué mon mari ? Je t'ai sauvé la vie, Virginia. Ce que tu as dit sur elle, sur ce qu'elle représentait pour toi, c'est la seule raison pour laquelle toi tu respires encore, et lui non. Dans Spartacus, vous prêtez votre voix à l'actrice Lucy Lawless, je crois que ça se prononce comme ça, ouais. Dans le rôle de Lucrecia. Comment est-ce que vous êtes retrouvée sur le doublage de ce personnage ? C'est une erreur. C'est une erreur ? Non, il se trouve que le directeur de plateau n'avait pas reconnu la comédienne qui avait fait plusieurs saisons ouais. de Xena, ouais, la guerrière. Mmh. Voilà. Et c'est vrai que il y a quelque chose physiquement dans l'œil, il y a un petit truc qui lui a fait penser à moi. D'accord. Il n'y a pas de mots pour exprimer ma gratitude. Vous me l'avez rendue au centuple à maintes reprises. La dette que j'ai envers vous dépasse mes quelques modestes paiements. Vous m'avez arraché aux profondeurs de la folie. Vous m'avez donné la force et la détermination pour survivre à la tragédie qui a frappé cette demeure. Et donc il m'a distribué sur le personnage. Mm-hmm. J'ai enregistré plusieurs épisodes. Moi je ne la connaissais pas. C'est une série Xena que j'avais jamais vue. Un comédien sur le plateau qui a dit à un moment donné, mais c'est pas Xena. Xena la guerrière, ouais. Et tout d'un coup on s'est aperçu qu'évidemment elle avait été doublée par quelqu'un d'autre. D'accord. Et pendant très longtemps. Okay. Donc voilà, ouais. Je m'en suis expliquée avec mon amie Denise Mettmer. D'accord. Et qui a compris complètement le truc. Ouais, ouais. Genre, c'était pas un problème. Ouais. Il se trouve que je l'ai doublée sur 3 saisons d'une série australienne qui s'appelle My Life is a Murder. Ok. Il n'y a pas eu de titre français, je crois. Et qui passe sur W9, un truc D'accord. comme ça, voilà. Et où elle fait une enquêtrice. J'étais contente aussi de la retrouver, ouais, parce que ouais. j'aime bien cette comédienne. Mmh. Voilà. Ok. Le compte de la montre de Rory a été consulté jusqu'à quand ? Environ 2 heures après qu'il est allé surfer, plus 8 connexions après ça. Et l'appli qui surveille sa santé sur la montre, elle est reliée à d'autres appareils ? Non, seulement à l'ordi de son bureau. Donc la personne qui y a accédé se trouvait chez lui moins de 20 heures après la mort de Rory. Ouais, c'est certain. Ils ont arrêté de chercher quand ? Vous avez également beaucoup doublé l'actrice Cheryl Ladd dans les téléfilms. La première fois que vous l'avez doublée, c'était sur la série Drôle de Dame. Non, elle a dit que c'était un cadeau que Reardon lui avait fait. Je ne vois pas ce que ça signifie, Chris. C'est bizarre comme coïncidence. Denver a failli mourir aujourd'hui, et la femme qui était avec lui a le même chandelier que Julie, et elle aussi travaille pour la Reardon Company. Est-ce que Bosley n'a pas dit que Julie avait rendez-vous avec Steve Briggs aujourd'hui ? Si. Allons voir Monsieur Briggs. Sur d'autres séries plus récentes comme Las Vegas, American Crime Story ou encore Charmed, le doublage avec elle, est-ce que c'est évident pour vous ? C'est une belle rencontre parce que c'était... c'est une des premières... Enfin, j'avais fait Les Petites Maisons dans la Prairie. Mmh. C'était ma première série. D'accord. Hein. Et puis, il se trouve que, en fait, je suis arrivée sur Les Petites Maisons dans la Prairie parce que la comédienne qui doublait le rôle de Marie, mmh. qui perd la vue à un moment donné, je sais pas, ouais, ouais. vous étiez tout petit. Si, ça me dit quelque chose, ouais. Ou à peine ouais, née, ouais, hein. J'ai vu cette... voilà. Doublait aussi Cheryl Ladd. Et il se trouve D'accord. que cette comédienne, qui s'appelait Sylviane Margolet, okay. était partie vivre aux États-Unis. Je dis était parce qu'elle est décédée D'accord. depuis une quinzaine d'années maintenant. D'accord. Et quand le directeur de cette maison de doublage, le doubleur, a écouté les épisodes, et moi qui faisais un petit personnage, il a trouvé que nos voix étaient très proches. Et en effet, D'accord. elles étaient très proches. Et voilà okay. comment je suis arrivée sur... Donc j'ai repris tous ces rôles. Ok, d'accord. D'accord. Ah, c'était comme dans un film, ou presque. On était debout devant le buffet et pouf, nos regards se sont croisés. Votre père est si séduisant. Je lui ai dit, évitez les crabes, ils n'ont pas l'air très frais. Et après, on a passé toute la nuit à se parler. Et quand le jour s'est levé, tout était dit. Le coup de foudre, réellement. Au cinéma, la comédienne que vous avez le plus doublée, c'est évidemment Julia Roberts, avec pas moins de 33 films. Est-ce que vous pouvez nous raconter les essais de Pretty Woman qui, je crois, sont complètement dus au hasard ? Bah, c'est encore une fois, j'étais là au bon moment, j'attendais dans une salle d'attente. C'était un grand studio qui existe toujours, mais c'est une autre maison de doublage qui a repris cette maison de doublage. Ouais. Et voilà, j'attendais pour un autre film, et puis le directeur de plateau, que je connaissais bien, m'a dit, bah, tu fais rien, viens essayer
on s'arrache la tête parce que on en est au, je vais vous dire n'importe quoi, mais au 10e essai. D'accord. Les Américains sont pas satisfaits puisque c'est eux qui choisissaient. Donc viens. Et puis je suis venue et je suis restée. Heureusement. Voilà. Et c'était la fameuse scène où elle boit une coupe de champagne avec Richard Gere qui lui dit vous avez déjà goûté les fraises avec le champagne? Tenez, prenez une fraise. Pourquoi? Ça fait ressortir le goût du champagne. Oh, des mots. C'est bon. Vous buvez pas? Non. Donc voilà, bah, ça s'est fait comme ça. Okay. Comme quoi, il faut toujours être là. Ouais. Au bon moment. Bah ouais, parce que là, pour le coup, c'est vraiment une vraie rencontre. Quels sont les films que vous avez préféré doubler avec cette comédienne? Bah, je dis toujours, mais c'est parce que le thème du film était particulièrement intéressant, c'était Erin Brockovich. D'accord. Eh bien, il se trouve justement que je me trouve très bien. Et tant que j'aurai pas un gros cul de vache, je mettrai ce qui me plaira. Enfin, si ça vous fait rien. Vous devriez repenser vos cravates. Mais après toutes les comédies romantiques, je suis cliente. Ouais. Coup de foudre à Notting Hill, c'est tout à fait charmant. Bon, évidemment, Pretty Woman. Il y a eu quoi d'autre? On a eu tellement. Ouais, et ce film avec Tom Hanks, où elle fait une femme politique. J'aimais bien parce qu'elle a fait une composition. Et puis il y a cette série qu'elle a tournée avec Sean Penn. Sur Margaret Mitchell, la femme de, je ne sais plus son prénom, mais il s'appelait Mitchell, ouais. Qui était procureur, je crois, pendant le Watergate. D'accord. Et c'est une série qui a été, c'est ou Netflix ou Apple TV, je ne sais plus très bien, ouais. Sur une plateforme. D'accord. Et c'est une très très belle série. Eh bien, Barbara, il est délicat de dire que je sais quoi que ce soit et je redirai la même chose à la commission sénatoriale, si jamais elle demandait à me revoir. En fait, il se trouve que je suis tellement troublée par ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, par ce que j'ai vu, que je pense que je ne suis pas un bon témoin, vous voyez. J'en suis sûre et certaine. Est-ce que, justement, on parlait de Pretty Woman, est-ce que le rire de Julia Roberts en VF, c'est votre rire ou est-ce que c'est une composition spéciale pour elle? Mais c'est mon rire à moi. Ouais, d'accord. D'ailleurs, dans certains films, ils ont matché les deux parce qu'il y a des moments où ils voulaient garder l'original pour des questions techniques, ah oui, sûrement. Et donc, je commence, elle finit et c'est vrai qu'on ne sent pas la différence. Quoi. D'accord, ouais. Ok. Il y a une façon d'éclater de rire qui est similaire à la vôtre. Qui, ouais. Que je peux. Qui n'est pas un problème pour moi. Voilà. Ok. au cinéma, vous avez également doublé Courteney Cox dans la saga Scream. Ouais. Comment est-ce que vous êtes retrouvé sur le doublage du tout premier volet? Eh bien, je sais pas. Comme ça? Ouais, comme là, j'ai pas passé d'essai. Ouais. C'était la directrice de plateau qui m'a choisi, voilà. Mais elle, Friends n'était pas encore arrivée en France. D'accord. C'est arrivé c'était avant Friends. De façon presque concomitante, mais vraiment très très peu de temps après. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, ouais, Marie-Christine encore... Dara qui la double dans Friends. Ouais, ok. Ok. Ok, on va improviser. Nick, tu cadres sur moi. Bonjour, ici Gail Weather qui vous livre en exclusivité son témoignage dans le cadre du massacre le plus sanglant de l'année. C'est au terme d'une véritable boucherie que nous avons pu découvrir l'identité des deux auteurs de ces meurtres en série qui ont terrorisé la ville de Woodsboro. Puis là, du coup, bah, elle est revenue dans le dernier qui est sorti cette année. Puis je crois qu'il y en a encore un en préparation, donc c'est plutôt bien. Bah, on va croiser les doigts. Bah, oui. J'espère qu'elle aura un peu plus de choses à dire. Ouais. vous avez également doublé pas mal de dessins animés. En 1997, vous prêtiez votre voix à la princesse Anastasia dans le dessin animé du même nom, aux côtés d'Emmanuel Curtil. Quel souvenir vous gardez de ce film? Un beau souvenir, parce qu'en plus, moi, c'était ma période russe. J'ai écrit une pièce sur Tchekhov, j'étais très... j'ai toujours beaucoup aimé la littérature russe et tout ça. Et puis bon, Anastasia, on ne sait pas si elle est vraiment... Si elle a été assassinée par les bolcheviks ou si elle a vraiment eu une vie après. Et donc tout ça a été assez intéressant, même si c'est du fantasme et c'était un dessin animé. Et puis là aussi, c'était une belle aventure humaine. On a enregistré ensemble, d'accord, ce qui n'est plus tellement le cas en ce moment.
Et c'était vraiment, c'était agréable. Je crois qu'on est parti sur de mauvaises bases. Je le crois également. Parfait. Très bien, j'accepte tes excuses. Mes excuses ? Je n'ai pas l'intention de m'excuser. Non, ce que je voulais dire, c'est je que je t'en nous prie, avons... n'ajoute pas un seul mot où je sens que je vais encore m'énerver. Très bien, je me tais. Je me tais si tu te tais. D'accord, je me tais. Bien. 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 Et je peux pas non plus ne pas vous parler du monde de Nemo. Ah non. Dans lequel vous doublez l'incroyable et très attachante Dory, que vous avez ensuite retrouvée donc, dans le monde de Dory. Est-ce que vous pouvez nous parler du doublage de ce petit poisson bleu? Ben là, j'ai passé un essai. C'est Disney qui voulait que je passe l'essai. D'accord. Donc merci. Et voilà, et c'est le personnage de, même du monde de Nemo. L'idée de ce poisson qui perd la mémoire, c'est une idée formidable. Et, je me suis totalement retrouvée dans ce petit poisson bleu. Bon, tu me lâches, oui? Quoi? J'aimerais bien nager tranquille. L'océan n'est peut-être pas assez grand pour toi, c'est ça? Hein? T'as un problème, petit? Hein? Qu'est-ce que t'as? Tu veux te battre? Ouais, c'est vrai, tu m'impressionnes. Ouh, j'ai peur. Enfin! Arrête de me coller aux nageoires! Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous étiez en train de me montrer par où est parti le bateau? Un bateau? Oh! J'en ai vu un beau qui passait il n'y a pas une minute. D'ailleurs, en regardant le monde de Dory, je me suis rendu compte que c'est Alexia Papineski, votre fille, qui double la version enfant de Dory. Oui. C'est hyper drôle. Ouais. Est-ce que c'est une bonne idée de Valérie Ciclet qui dirigeait le film, ouais. Qui avait dirigé déjà le monde de Nemo et qui a dirigé le monde de Dory. D'accord. Et elle avait raison. Bah oui, parce que c'est vrai qu'on est assez proche vocalement. Mmh. Je ne suis pas sa maman pour rien. Voilà. J'ai une maladie qui s'appelle la troupe de mémoire immédiate. Oui. C'est exactement ce que tu dois dire. Bon, alors, on fait comme si on était les autres enfants. Salut, Dory. Hey, salut. Tu veux jouer à cache-cache avec nous? Oui, j'aime bien jouer à cache-cache. Avec quelle comédienne vous sentez le plus à l'aise dans le doublage, y compris celle dont on n'a pas parlé? Je pense Julia Roberts, parce que c'est vrai qu'elle a un jeu qui me... Je trouve qu'elle a une palette de jeux assez large et j'aime bien ça. Elle passe de la comédie à des choses plus senties, plus dramatiques. Ouais. Il y a un film, c'était le remake d'un film argentin qui s'appelait en espagnol, je ne sais plus, ouais. Et qui en français s'appelle Avec tes yeux ou quelque chose comme ça. Qui passe en ce moment, et c'est sur Netflix en ce moment. Ah oui? Et ouais, okay. c'est un truc assez terrible. Et puis quoi après? Ça va m'apporter quoi de lui tirer dessus? Toute une vie en prison et lui sera mort. Sans avoir fait un seul jour de tôle. Et moi je passerai les 50 prochaines années de ma vie à envier ce type-là. Ce serait ça la justice selon toi? Et c'est vrai que là, elle a un personnage, une mère qui a perdu sa fille, c'est épouvantable, ouais. Comme histoire. Et elle est, et dans la série dont je vous parlais, Homecoming, ouais. Elle est, c'est pas la Julia Roberts, pomponnée, ouais. Voilà. Alors, Walter Cruz, 26 ans, et déjà 3 déploiements. Oui. Vous êtes arrivé quand? Vendredi? Oui, vendredi. Formidable. Alors, je suis obligée de vous lire un discours de bienvenue et... Je vous préviens, c'est un petit peu rébarbatif. D'accord. Allons-y. Ouais. Donc, j'aime beaucoup cette comédienne. Et puis, elle m'a apporté plein de choses. Ouais. Si j'ai fait de la pub. Ouais, aussi. C'était grâce à elle. C'est aussi parce que j'étais la voix de Julia Roberts. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Et est-ce que, justement, à un moment donné, le fait qu'on vous assimile souvent à Julia Roberts, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vous sont passées pas sous le nez, mais bien sûr. Vous n'avez pas eu à cause de bien ça sûr, parce que bien sûr. On vous l'a déjà dit. Il y a l'envers de la médaille. Ouais. Mais la médaille est jolie. Ouais. C'est très beau. J'imagine justement qu'on reconnaît votre voix aussi dans la vie de tous les jours. Si vous avez des anecdotes drôles à nous raconter sur des choses de la vie courante où on vous reconnaît. Alors j'étais enceinte, donc il y a quelques années, et j'essayais un pull, ma tête avait du mal, j'en étais pas encore au ventre. Hein. D'accord. Ma tête avait du mal parce qu'évidemment, en flemmarde que je suis, je n'avais pas ouvert les boutons du pull. D'accord. À passer, et j'ai dû éclater de rire parce que j'étais coincée. Et la vendeuse à ce moment-là a dit, oh, mais c'est vous qui faites la salope.
dans Flamingo Road. Elle est là. Votre monde s'écroule. D'abord parce que Flamingo Road, vous connaissez cette série? Non. C'est une série des années 80, ouais. Où je faisais une comédienne qui s'appelle Morgan Fairchild. D'accord. Une femme ouais. assez grande, blonde, qui est très très refaite à l'heure actuelle, D'accord. avec des mains. J'ai toujours imaginé qu'on s'était inspiré de son physique pour faire Barbie. D'accord. On dirait une Barbie. Okay. C'est complètement ça. Et donc, c'était totalement improbable. Ouais. Vous riez dans une cabine et tout d'un coup, quelqu'un vous dit vous êtes la salope. Non. Ouais. Parce que c'était un rôle de salope. Oui, souvent, oui. Où que ce soit, c'est vrai que dans un restaurant, machin, je parle et tout d'un coup, les gens. Parce que les gens ont une oreille très, 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 très exercée. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Vous avez volé ce moulin. Légalement, c'est possible. Mais c'est un vol et vous le savez. Il est temps que vous sachiez que si on me vole quelque chose à moi ou à ma famille, je suis capable d'être aussi cruelle qu'une tigresse. Quelles sont vos actualités futures? Alors, au théâtre, je reprends un spectacle que j'ai créé l'année dernière à Avignon qui s'appelle Olympe, plus vivante que... Olympe de Gouges. Plus vivante que jamais. D'accord. C'est une pièce écrite par Joël Le Fossier et qui raconte les derniers jours d'Olympe de Gouges à la Conciergerie. D'accord. Et je reprends ce spectacle au Lucernaire à partir du 23 août et jusqu'à mi-octobre. D'accord. À 19h tous les jours, le dimanche en matinée à 15h30. Ok. Et je vous attends nombreux. Super. Et bien, on prend rendez-vous. D'accord, merci. Merci. Bah, merci beaucoup, Céline. Mais je vous en prie. De m'avoir accordé cette interview. J'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Pareillement. Que nous dirait Dory pour terminer cette interview? Elle vous dirait... je sais pas où j'ai garé ma voiture.